Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV, une semaine seulement après la sortie d'iOS 13.5.5 bêta 1, c'est au tour de la bêta 2 mais cette fois-ci d'iOS 13.6. Alors Apple nous avait fait déjà le coup le mois dernier avec iOS 13.4.5 bêta 2, ce qui était devenu iOS 13.5 bêta 3. La mise à jour pèse 336 mégas si vous partez d'iOS 13.5. Alors la mise à jour pèsera plus de 4 gigas et puis on va voir dans cette vidéo, il y a quelques nouveautés, mais est-ce que ça valait vraiment le coup de l'appeler iOS 13.6? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Côté version, on a une build qui se termine par C, ce qui nous laisse encore quelques semaines de mise à jour, et c'est probablement lors de la WWDC du 22 juin que sera annoncé iOS 13.6 en version finale. Et puis, en attendant le grand jour, n'hésitez pas à vous abonner, puisque je parle de toutes les mises à jour iOS à chaque sortie, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ça m'aide pour préparer les futures vidéos. Allez, c'est parti, première nouveauté, ça concerne les mises à jour, on va donc dans les réglages général mise à jour, et regardez, une nouvelle option a fait son apparition, alors c'est en anglais actuellement, et ça permet tout simplement, si on coche la case, d'installer automatiquement la mise à jour. Alors automatiquement ça va être téléchargé, mais ça ne sera pas installé si on ne la coche pas. Regardez ce que ça donnait sur une version précédente, on avait simplement la possibilité de lancer la mise à jour automatiquement. Je trouve l'option plutôt bien pensée, plutôt pratique, puisqu'on va pouvoir télécharger tranquillement la mise à jour, et lorsqu'on l'aura décidé, peut-être quelques jours après, on pourra l'installer sans attendre à la retélécharger. Donc ça, c'est une option plutôt bienvenue. Et seconde nouveauté, ça concerne l'application santé et l'apparition des symptômes. Alors là encore, c'est souvent écrit en anglais, donc on va aller chercher symptômes, voilà, juste ici. Et le concept, c'est plutôt simple, on choisit un symptôme qu'on va avoir, on va incrémenter en fait une information, c'est-à-dire qu'on va dire à telle date, à telle heure, j'ai eu ce symptôme en question, et puis on va pouvoir comme ça conserver un historique de tous les symptômes, et on va pouvoir voir ce qui s'est passé à telle date. Alors je ne sais pas si à terme, il y a une idée derrière tout ça, qui par exemple, en mélangeant plusieurs symptômes, pourrait nous prévenir d'une maladie en particulier, mais en tout cas, pour l'instant ça sert juste à historiser, et puis on va choisir le niveau d'intensité, par exemple donc là mot de tête, on va choisir le niveau d'intensité du mal de tête. Une fois que c'est fait, je vais donc définir la période pendant laquelle j'ai eu mal à la tête. Donc pour le test, je vais simplement prendre quelques minutes. Donc aujourd'hui, voilà, je sélectionne quelques minutes. J'enregistre donc l'événement et puis je vais pouvoir le consulter ensuite sous forme de graphique. Donc voilà à quoi ça ressemble. Pour le moment, tout n'est pas encore disponible en français, mais ça sera sans doute traduit correctement d'ici la version finale d'iOS 13.6. Côté bench, pas de grosse différence entre iOS 13.6 et iOS 13.5.5, on va retrouver globalement les mêmes scores que pour la version précédente. Et puis plus généralement, j'ai pas noté de bugs particuliers, il y a une bonne fluidité. Concernant justement les bugs, alors c'est Rod qui me disait que depuis la mise à jour iOS 13.5.1, sa batterie fondait comme neige au soleil, sauf lorsqu'il retirait le Bluetooth. Alors moi j'ai pas du tout observé ça, dites-moi si vous avez observé ça depuis la mise à jour iOS 13.5.1. Voilà donc pour ces nouveautés d'iOS 13.6, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette mise à jour, n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à la partager surtout, ça peut aider, et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.